Hello tout le monde, le combat d'aujourd'hui c'est l'une des plus grandes atomisations de l'histoire. Je n'exagère même pas, hein, vous allez pouvoir témoigner. J'y ai joué ma team Palkia que vous avez ici en emprunt, vous avez le code. Alors oui, il y a des sets qui peuvent paraître un petit peu bizarres, mais ils sont parfaitement volontaires. Profitez bien de la team et profitez bien de la vidéo. Ah oui, c'est vrai que je joue Palkia, hein, c'est vrai. Oui, du coup, bah Grim, Palkia, c'est très bien. Parce que Grim il va faire chier le monde avec Tour Magique. Mais attends, mais Motisma il est monstrueux contre absolument toute cette team. C'est un peu dommage de pas l'envoyer en lead. Ou alors on ne max pas Palkia tout simplement. Ouais, Lando ils vont contre tout le reste. Ah, je sais pas ce que c'était le mieux à faire là. Pourquoi l'orbe vie sur Palkia et pas l'orbe perlé? Parce que je veux plus de dégâts. Toujours plus. Pâle. Première fois que j'ai fait ça, non, je me fais. Je l'ai jamais affronté en tournoi Palkia. Même en 2016, je pense. Je suis vraiment certain. Oh, quoique, je suis peut-être dans un petit niveau, c'est possible. Il y a bien un mec qui me l'a sorti quand même. Surtout qu'à l'époque, on avait deux restreints dans les teams. Juste en attaque, on s'en fout. J'ai droite. Et style derrière. Ok. On va. J'ai envie de la garder la lagging tail. On va faire Crocolarm sur Porygon 2. Et après avec Palkia s'il fait Trichrome, il va faire Trichrome? Non je crois pas. On va faire Abri quand même. Je crois pas trop à Trichrome. Mais je veux pas maxer Palkia de manière précipitée. Pas de bluff. D'accord. Provoque de Feu d'Inferno sur Palkia. Non, parting shot, d'accord. Et triple attaque sur Angolais, d'accord, ok. Il a moins de défense spéciale, le Porygon 2. Je pense qu'il a moyen envie de rester. On va faire... Ah bah j'hésite. Qu'est-ce qu'il va vouloir envoyer là-dessus? Plutôt Florizarre, je pense. On va faire Spirit Break. Et on va faire Max Geyser à gauche. Là où on n'a pas fait Crocolarm. Sinon c'était un peu téléphoné, nickel. Et c'est Venu qui rentre. Ah mais les Français, super. Sûrement un hasard. Alors clairement s'il a pas la Pacho, le Feu d'Inferno, il meurt, mais Groudon je pense pas qu'il ait la Pacho. Hein. À mon avis, il a la Jouka. Ou je sais pas quoi. Enfin s'il a une B c'est la. Enfin une B anti-type c'est la Jouka. Je crois pas à autre chose. Hein. Donc Jouka anti-sol, Pacho anti-O. Enfin c'est Poc-Poc en français. Ça fait plaisir, hein. Ce petit switch-in bien anticipé. Après sur tricherie max dragon, il mourrait Florizarre. C'était sympa aussi. Après, Feu d'Inferno revenait. Enfin bref, c'était chiant quoi. Feu d'Inferno revenait avec son bluff. Pas très fan. Maxe pas, d'accord. Nice. À partir de là, je suis content. Le reste, je m'en fous. Il veut bien faire Sleep Powder. Nice. Ok. Là je me demande. Je pense qu'on va faire ça. Max Select c'est vraiment. Ça fait vraiment pas kiffer tout ça. Non, non, clairement. Non. Voici le retour. Je pense qu'on va faire. Ah tiens, je peux faire ça.
vais faire ça, je m'en fous en fait du soleil. Ok. Ok, je mettais un drop en attaque à Groudon, ça me faisait plaisir. C'est dommage. Merci Frosty L6 pour le 10e mois, merci beaucoup. Je te lâcherai pas pour Yvon 2. Tu seras toujours à moins 2 en défense spéciale dans cette game. Oh là. Bah ouais, il avait pas envie de maxer ce Florizarre avec la ralenti queue. Hein. Ça fait pas envie. Hein. Oula, mais quand même un peu décalé là. Le truc c'est que lui il n'a pas maxé encore. Après il est un peu dans la merde. Faut le dire. Bah mieux vaut qu'il soit à moins 2 en défense spéciale plutôt qu'on lui prenne l'évolu rock. Le gros nom je sais pas c'est quoi son item. Est-ce qu'on a intérêt à le prendre pour lui donner une énorme vie? Je pense pas. On va plutôt faire crocolarme. Il se passe rien d'ici. Oui il est à moins 1 attaque spéciale aussi le Florizarre effectivement. Donc vraiment il avait rien pour lui quoi. Je pense que ça valait pas trop le coup d'attaquer le Groudon. Le moins 2 en défense spéciale. Le Spacio Rift avec la Life Orb sur ce Porygon 2 à moins 2 en défense spéciale. Ça ne tue pas. J'avoue que je savais pas trop si on allait faire le KO ou pas, donc les deux gars qu'on fait là ne me choquent pas du tout. Ok, on meurt. On passe à moins 1 en défense spéciale, pareil pour les gars du coup. Attends, what? Il me tue là? Ah ouais, il me tue alors qu'il a pas la life orb. Puisqu'elle était sur Florizarre. Ah ouais, c'est costaud. Hein. GG BG. Hein. Oh, on va faire ça. Il devrait faire soin. Hein. Il peut vouloir tuer mon Goliath. Hein. Nice. Est-ce qu'il se suicide avec les dégâts de l'orbe vie? Ce serait trop beau. Oui. Oh, c'est un festival cette game. Oh là 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 là. On a jamais vu ça. Le pauvre. Le pauvre. Oh, j'ai mal pour lui. Oh mon dieu. Il enchaîne des tours catastrophiques, le pauvre. Oh mon dieu. Il manque plus que ça. Il manque vraiment plus que ça. Aïe 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 aïe. Allez. Plus d'en défense. Oh là 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 là! Il a rien fait, le Groudon! Le pauvre, j'ai tellement mal pour lui! Oh mon dieu! Il n'y a plus le soleil, c'est pas grave! C'est pas grave du tout! Ah, il ne forfait pas, putain, il est vraiment trop sympa, franchement! Il y en a plus d'un là qui aurait give up, hein! Je suis plus en défense. Registeel, max défense, max PV. Oh, il évite l'attaque! Mais c'est pas possible, non! Non, mais on aurait voulu voir les dégâts quand même! Ça, honnêtement, c'est décevant. Honnêtement, c'est décevant. Et c'est pour cette raison qu'on va faire ça.
Parce qu'on on veut se renseigner. Non, je voulais me renseigner, voir comment il faisait après encore un mur de fer. Oh vraiment, cette game, c'était une dinguerie. Bah en fait, ça a montré bah, le potentiel. Bah en même temps, bon, l'adversaire était c'était encore un bouquin, voilà, c'est la bibliothèque. Là, on est à la bibliothèque là, on prend dans les étagères, on dit "Oh là, super, on est, je sais pas à quel rayon on est là, je sais pas si on appelle ça les rayons, mais voilà, on lit en eux, mais comme dans des livres ouverts. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur YouTube pour ces merveilleuses lectures de jeux. Abonnez-vous à la chaîne, il y a des vidéos tous les mardis, jeudi et samedi à 19h et on est en live tous les jours sur ma chaîne Twitch, le lien est évidemment en description. À bientôt pour de nouvelles vidéos et de prochains lives. Salut tout le monde.